Les gens, ils regardent très suspect. Hein. Oulala. On a une urgence. Oh, wesh, t'es sérieux? Bonjour à tous et bienvenue chez les Ben. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format qui est celui d'être parent pendant 48 heures. Qui accouche en 48 heures? Mais toi! C'est pour ça qu'on va avoir un bébé connecté. Est-ce que si je te montre que je suis une bonne maman, tu me fais un vrai bébé? La vérité, on va y réfléchir plus. Genre vraiment, si tu tiens, tu t'en occupes bien et tout, il y a moyen que je me pose très fortement la question. Fais comme si c'était vraiment ton fils, parce que vraiment, si tu te visualises pas d'avoir un bébé, tu pourras pas te projeter. C'est comme ça qu'on se projette, ma vie. Bébé, j'ai préparé une petite boîte. J'ai mis tous les prénoms qui me faisaient plaisir. Vu que j'ai pas choisi ni la tête du bébé, ni le sexe, ni le physique, ni rien du tout, au moins, je me dis, je peux choisir le prénom. Avant que je pioche, on va mettre un peu de suspense. Je vous laisse 3 secondes pour vous abonner quand même. 1, 2... Abonné. 3. T'es déjà abonné, t'as vu? T'es déjà abonné. Tu joues à quoi, là? C'est un point qu'on a en commun. Mais tu joues à quoi? T'as cru qu'on était sur Uber Eats, là, ou quoi? Ben, elle a appelé son fils poulet, frère, en anglais. Chicken, bear. Mais Chicken, quand il aura des problèmes, on pourra dire que, genre, il est dans une sacrée sauce. Tu sais, genre, ah, Chicken, t'es dans la sauce. Salut! Donc là, les amis, le programme du jour avec la maman de Chicken. On prend la voiture direction la banque. Le problème, c'est que j'ai pas de siège enfant. Mais l'avantage que j'ai, c'est que j'ai un porte-sac. Protection du bébé activée. Je suis une super maman! Étape numéro 1 d'une bonne maman, le masque. Je sais pas comment je vais le mettre. Mon fils, il est pas vacciné. À pas avoir le Covid, hein. Tac. La banque. Moi qui avais déjà saoulé Romain pour qu'il se mette en couple avec moi. Et là, je le ressoule encore pour avoir un bébé. Et franchement, bah, c'est compliqué d'avoir une poupée, en fait, pour un bébé. Les gens, ils regardent très suspect, hein. Oulala. Sur grande chicken. Mais non, mais c'est mon fils. Pourquoi t'as un bébé? Parce que si je réussis la mission bébé, si je suis une bonne maman, et ben il me fait un bébé, Romain. On fait un rendez-vous bancaire avec mon gosse. Je suis très copine avec ma banquière. Donc quand je vais à la banque, voilà, je me dis, c'est assez normal de faire les formalités, les assurances, machin, tout ça, ok, c'est bien. Mais quand je vois la banquière rigoler, ben franchement, j'ai de la peine. On va contracter une assurance, on va l'ajouter dans le patrimoine, on va lui faire un compte en banque. Arrête de rigoler, c'est mon fils. Hein. Pour le compte en banque. Une carte Visa premier? Oui. Ou une carte infinite? Infinite. Ça doit être quelqu'un, votre enfant. Hein, Chicken. Il aura des revenus, Chicken, ou... Sur mes revenus à moi. Voilà, donc ça, c'est pour le chéquier. Merci. Ça, c'est pour la carte. Maintenant, il manque plus qu'à signer. Merci beaucoup. Concernant l'assurance de la voiture, vous l'avez acheté une petite voiture? Elle est trop petite. Mais vous m'aviez dit qu'il avait le permis. Étape numéro 2. Rendez-vous chez l'hypnotiseuse. Parce qu'il faut absolument qu'on l'hypnotise pour qu'il mange tout ce qu'on lui sert et qu'il soit un adorable garçon. En direct de chez l'hypnothérapeute. Je vous présente Chicken. D'accord. Voilà, Chicken Ben. D'accord, et vous voulez qu'on fasse une thérapie sur Chicken? Oui. D'accord, mais c'est une poupée, Mélanie. Hein. Mon enfant Chicken est une poupée. C'est... Chicken, il peut rester à côté? Il peut rester à côté, on va travailler les coins avec vous. Bon, à tout à l'heure. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'attendais ma meuf, qu'elle me ramène mon fils. Tiens. Comment ça, ça? Ton fils, c'est comme ça que tu me le passes? J'ai mis un masque. Bon les gars, là je vais voir mon pote Yannick. Yannick, que vous avez peut-être vu à la télé, celui qui a fait la saison de Marié au premier regard. Ça doit faire 8 ans que je le connais. Wesh Yannick, ça va ou quoi? C'est bébé qui ça, gros? C'est mon bébé, wesh. C'est mon bébé. Tu te prépares? En fait, ma meuf, elle veut avoir un bébé. Mais je lui dis, tu sais quoi? Tu veux un enfant? Viens, on essaie d'avoir déjà un enfant connecté. T'es même pas marié, gros. Là, t'es marié, toi, maintenant? En instance de divorce. Ah, t'es en instance de divorce? En instance de divorce, ouais. Non. Ouais. Juste, elle m'a ramené mon fils tout à l'heure, mais t'es ma sa coupe de cheveux, frère. C'est trop. Ça va ou quoi, Jordan? Ça va et toi? Tranquille. Salut, frérot. T'es venu avec ton fils? Quand je suis arrivé chez le coiffeur, t'as deux réactions. La première, dans les deux premières secondes, c'est « Il a un bébé », tu sais, genre. Et la deuxième réaction, c'est « Il est con, quoi, c'est un bébé en plastique ».
Genre, tu vois. Le coiffeur, il est un peu débordé, donc il m'a dit de repasser dans 20 minutes. En attendant, je crois que je vais aller faire un peu de shopping avec Chicken. Tu vas m'aider ou quoi? Moi, je rentre dans ton jeu, en plus, c'est ça le pire. Quel jeu? Bon, les gars, là, on est devant chez Monoprix. On va aller habiller Chicken chez Monoprix parce que Zara, il n'y a pas trop ses tailles. Il y a les gens qui me regardent dans la rue en mode, il est complètement fou. Il est fou. Et il se tape des barres. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va? Ça va bien, vous? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Là, je vais habiller mon fils, là. Ah oh, ouais. Ouais. Je vais l'arrêter. Non, je vais l'habiller, là. What? C'est mon fils. Ah ouais? Ouais, c'est mon fils. Il est beau, il me ressemble. Pas mal, pas mal. Je pense qu'ils se sont dit, eux, bah, il se prépare à être papa, donc il prend un bébé en plastique, c'est mignon, oh là là, tu vois. Je sais pas. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver une tenue pour mon fils, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez? Bah, une tenue pour Chicken. Ah non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bon là les gars, on a trouvé quelqu'un qui est enceinte du coup, voilà. Et qui se propose gentiment de m'aider à habiller mon fils Chicken. Là, Chicken, t'es swag. Chicken, t'es quelqu'un, poteau. Et si je fais comme ça pour habiller mon gosse, je suis dans la merde. Tu veux lui casser les bras ou quoi, mon fils Chicken là? Vas-y Chicken, t'inquiète Chicken. C'est élastique à cet âge là, y'a pas de soucis. Il est beau ou pas mon fils? Il me ressemble un peu hein. Chicken, écoute-y hein. Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait avec ses pieds, Chicken? Ça, c'est Chicken. Chicken. Il faut manger le bœuf. Ah, on va lui faire du bœuf. Parce que sinon, ça va pas. Mais il est vegan. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Oh, il est magnifique. Merci. C'est mon fils. Il s'appelle Chicken. Bon, les gars, là, Chicken, il est en place. Je lui ai mis un bob. Il est au calme, mon fils. Là, on va ramener Chicken chez le coiffeur. Oh là là, mais c'est quoi ce service, quoi? Gros, t'es en train de le faire dormir, mon fils. Ah bah là, il est bien, mon fils. Fais lui un truc énervé. Faut mettre de la laque comme ça, peut-être. Par contre, tu lui as mis les cheveux en pétard. Hein. T'en penses quoi, Mayada? De ton bébé? Ouais. Voilà, c'est validé par la street. Pop, 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 qu'est-ce que t'es beau, mon chiki. Je trouve que je m'en suis bien occupé dans le sens où je l'ai amené chez le coiffeur, je lui ai acheté des vêtements, j'ai passé du temps avec lui, j'ai passé encore plus de temps avec lui qu'avec Rio. Donc c'est voilà, je me sens investi dans mon rôle de papa. Bon les gars, est-ce que vous savez ce que j'ai dans cette boîte? Est-ce que même toi, tu sais ce que j'ai dans cette boîte? Voilà! C'est quoi ça? Bah c'est des tatouages! Bon, il y a eu quelques des petits problèmes, mais bon, ça se règle, hein, c'est des petits tatouages. Bon les gars, il y a ma meuf qui arrive, elle a pas encore vu le bébé, j'espère que vous le voyez. Ça va ma vie? Oh, mais t'es sérieux? Quoi? On dirait Chucky, wesh! Mais non! Mais c'est des... C'est... Mais... Franchement, j'ai un peu honte. Tiens, mon fils. Il m'a saoulé, il m'a dit ah, papa, je vais me faire tatouer comme toi, tout, non, et tout. Et du coup, le tatouage, il tenait pas ici, donc après, On dirait qu'il a mis ses doigts dans la prise. C'est quoi ses cheveux? C'est Chicken. Mais là, t'es fou, il ressemble à Beckham, là. Il ressemble à Beckham, le petit. Tu voulais faire un enfant? Bah là, je t'ai fait un enfant. C'est, voilà, faut s'habituer. C'est step by step, crescendo, on y va. Je te laisse plus, mon fils, sans moi. Leicester, il a défiguré mon fils. Mais pourquoi je l'ai défiguré? Mais la tête de ma mère, la honte. Je sais pas, moi. Je vais appeler ma mère, tu vas voir. Maman, on a une urgence. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, maman, qu'est-ce qu'il a fait avec notre enfant? Voilà, il est marrant, ça, il est marrant. Mais maman, regarde, il a mis des tatouages. Ah non, ça, c'est moins beau, ça. Bon, bah, les gars, on va faire des courses à côté de la maison. Mais attends bébé, t'as oublié là? On a besoin de prendre un caddie là maintenant. Oui, allez bien. Bah attends, prends un jeton ici. J'ai été faire les courses et tout, j'ai cherché tout de suite le caddie pour poser mon fils. Tu sais, je cherchais tous les trucs genre pour les enfants. En fait, tu dois penser pour lui. Je kiffais ça quand j'étais petite. Allez Chicken. Je suis maman.
Extra chicken, il est pas bien. On doit prendre des couches, de la crème pour les fesses. Mais prends des couches pour nourrisson, ma vie. Bah, c'est quoi ça? C'est un bébé? Ouais, bébé. Mais il y a bébé de 1 mois, bébé de 2 mois, bébé de lui, c'est un bébé, il a 0 mois, Meskin. 60 cm, vas-y, prends n'importe laquelle alors. Bah, vas-y. Ça, c'est garanti 12 heures, ça veut dire qu'on peut le changer que deux fois par jour. C'est trop bien ça. This is my baby. Yeah, so cute. Thank you. Ah, tiki 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 tiki. Ah, tiki tiki tiki, il a des couches. Bah oui, il a des couches, le petit, wesh, poteau. Ouais, ouais, ouais. Mais t'as pas mon fils, toi, wesh. Mais là, mais c'est un bonhomme, il aime trop la bagarre, lui. Non, je l'aime trop, chicken. Il fait pas caca, il fait pas pipi, il se plaint jamais. C'est un bébé de rêve. Elle fait trop la daronne, genre. Elle croit trop, c'est une daronne. Eh, mon fils, il est déclassé, il a une sécoupe. Tu l'as transformé en punk, là, il se tape. En quoi? En punk. C'est quoi un punk? Un punk. Un punk. Vas-y, donne-moi mon fils un peu. Je crois qu'il a envie d'être avec ce, sur son dard. Oh, wesh, t'es sérieux? Eh, hey, tu touches plus ma... Tu touches plus mon fils. J'imagine que t'aurais fait ça avec un... Avec ça, là. On fait comment? J'ai envie de montrer à Romain que je serai une bonne mère. Comme ça, tout. Petit bébé, enfanté, 9 mois, il est coincé. C'est l'heure d'aller faire le dodo avec Chicken. Chicken, il est avec nous. Petite question avant d'aller dodo. Tu lui as changé sa couche aujourd'hui? Tu sens pas là l'odeur là? Tu sens pas? Théma, son œil, il est comme ça. On dirait son père. Pour ma vie, tu veux pas aller changer ton fils là? Le problème qui se passe, c'est que Romain, il croit vraiment qu'on a un vrai bébé. Mais moi, je vois que c'est une poupée. Ça crie pas, ça mange pas. Donc je n'arrive pas à être maternelle. On va dire ça comme ça. Bon. Ça, c'est une couche. Ok, tu sais ce que... Bah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as pris, ma vie? Bah, une couche. Mais, bah... Matelas allongé jetable. C'est un matelas pour faire pipi. Bah comme ça, pas besoin de couche. Mais wesh. C'est quoi? Vas-y, tiens ça. Je vais te faire une couche. Mais comment ça, une couche? Eh, hey, fais-moi confiance. T'es en train de faire une couche avec du scotch? Mais tu sais que j'ai pas fait exprès. Mais wesh. Regarde. Je fais une couche double épaisseur. Mais t'es ma sa tête, le pauvre. Mais t'inquiète. Tu voulais une couche? T'as une couche. Je t'ai fait une couche. Donc là, mon fils, il va rester comme ça. Ouais. Il a une couche. C'était la couche de secours. T'en penses quoi, Chicken? Allez, bonne nuit, ma vie. Bonne nuit, Chicken. Oh, le réveil est dur. Il est où, Chicken? Il est là. Ah, merde. T'as laissé dormir Chicken par terre, allô? Tu te rends compte? Ben, ça va, tranquille, c'est pas grave, hein. C'est pas grave? Toi, ton fils, il dort par terre, maintenant? Je me dis, c'est pas un vrai bébé. Donc, j'arrive pas à me porter au jeu, c'est ça, le problème. Ce matin, je me lève, il est par terre. Non, c'est trop. C'est Chicken, faut le respecter, c'est Chicken, c'est mon fils. Le problème qui se passe, c'est que Romain, il croit vraiment qu'on a un vrai bébé. Mais moi, je vois que c'est une poupée. Moi, j'étais à fond dans mon rôle. Genre, Chicken, c'était mon fils. Là, il y a Thibaut Morgado. On doit aller au sport. Mais je lui ai pas encore annoncé que je devais ramener mon fils avec moi parce que je peux pas laisser mon fils à la maison, concrètement. Donc, on va lui annoncer en direct. Wesh. Depuis quand il a un fils? Je dois le ramener à la salle. Demande déjà ta femme en mariage et après tu parles de gosse. Parce que putain. Moi, Chicken, oui, parce que je ne vous ai pas dit, ça s'appelle Chicken. Oui, ça s'appelle Chicken. Moi, Chicken, je vais le ramener avec moi à la salle. En plus, drapeau du Brésil, t'as capté? Il fait le portugais ou pas? Il fait le portugais, mon poco. Il est aussi musclé que son père. Ça, ça tient, quoi. Tu vas être cambré après ta course. Pas mal. Allez, les gars, on y va. À tout à l'heure. Celui où je me suis le plus marré, c'est quand je suis allé au sport avec lui et que je l'ai attaché derrière mon dos. Excusez-moi, les filles, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous pensez que bébé, il est bien mis là? Ouais. Ça, vous
validé? Oui. Sûr? C'est validé. Fais-tu une petite caresse? Il s'appelle Chicken. Ciao. Je pense que Chicken a envie qu'on accélère un peu. Montrez-moi ça. Oh, ça passe trop très bien plus. Il est bien, Emilien. On a ton fils. On a ton fils, il est à mon dos, là. Il est là, même. Il est là, mon fils. Tu parles pas là. Regarde ton fils, frère. Mais il est fou, il court avec son bébé comme ça dans le dos et tout. On l'a vraiment bien attaché. Ouais, ouais. Bon les gars, là on vient d'arriver à la salle. C'est quoi ça? Quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bah c'est mon bébé, wesh. T'as eu un bébé entre temps? Bah ouais. Ah mon dieu, non mais... Attends, il est là mon coach. Attends, je vais avoir vite fait mon coach, vite fait. Ça va ou quoi? Tranquille mon ref. Qu'est-ce qu'il y a, wesh? Ce mec, il a pété les poux. Elle a pété les poux. C'est pour ça que j'ai pas pu venir là pendant les deux derniers jours. Tu veux mon fils? T'as capté? Tu sais ce que c'est, hein? Ah, Chicken, il m'a fait rater deux fois deux séances de coaching. Wouh! Tu te rends compte qu'en fait, il te prend toute ta journée. T'es obligé de t'en occuper. Il est pas autonome. Je te laisse mon fils. Il s'appelle Chicken. Chicken. C'est pas Chucky, t'es sûr? Chicken. On dirait Chucky. Je pense vraiment que Romain s'est mieux occupé de Chicken que moi. Parce que moi, j'ai eu un blocage avec le textile, on va dire ça comme ça. En fait, ce qui a été le plus dur pendant ces 24 heures, c'est de dégager du temps pour le bébé. C'est marrant, mais je parle d'une poupée en plastique, mais moi, dans ma tête, c'est mon vrai fils, c'est Chicken. Avec la cire de la poupée, avec les cheveux en paille, ouais, c'était un peu plus compliqué. Quoi? Tu m'as escroqué. Pourquoi? Parce que moi, quand tu m'as annoncé qu'on allait avoir un bébé, c'était pas une poupée. Bah oui, mais il faut bien commencer par... Tu commences avec une poupée et tu te projettes. Moi, mon problème, c'est que la poupée, bah, elle fait ficha. Pourquoi elle fait ficha? Parce que déjà, t'as mis des tatouages, tu lui as fait une coupe de plunk. Devant les gens, c'est pas mignon, une poupée. Ça, je vous l'ai pas dit, mais pour toutes les personnes qui ont suivi la vidéo jusqu'ici, en fait, le format, c'était 48 heures à la base. Moi, je voulais pousser à 72 heures, mais on n'a pas pu. On a tenu 24 heures et demie. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es soucié? Parce que c'est une poupée! Mais c'est pas une poupée, c'est bien plus que ça, c'est Chicken, c'est de la visualisation. Tu comprends pas que tu dois te visualiser, c'est un bébé pour moi, je l'aime trop. Faire un bébé, je le redis, on fait pas des bébés comme ça. Ça, c'est vrai. C'est une responsabilité de faire un enfant. Et ça, c'est un message que je transmets aux gens qui nous regardent, c'est une responsabilité. Il faut une situation et trouver la bonne personne. Moi, je l'ai, je pense, l'envie. Tu l'as aussi, l'envie. Tu l'as. Non, mais c'est vrai, tu l'as. Bébé. Quoi? T'as envie. Tu veux faire quoi? Quoi comme bébé? Ah ouais, bébé. Eh, ça, c'est enregistré. Ça, c'est preuve à l'appui. S'il me fait pas, je te fais un procès. Il est où le bébé là? Rassure-toi, parce que c'est une poupée. Ouais. Bien sûr, mais quand ça va crier, ça va chier, qu'est-ce que tu vas faire? Mélanie! Non mais le pauvre, il s'est réveillé au pied du lit, le bébé. Hashtag la mauvaise foi. Moi, je veux un bébé. Voilà, tu veux un bébé comme tu veux manger un gâteau, comme tu veux par gourmandise. Non, non, aucun rapport. Je veux un bébé avec toi. En tout cas, ce format, je l'ai trouvé quand même assez cool. Mais si on fait 1 million de vues sur cette vidéo, j'amène Chicken à Marbella, j'en fais un concept de Chicken. Chicken à Marbella en vacances, Chicken dans l'avion, Chicken à Vegas, Chicken au Brésil, Chicken partout. Moi, je promets de faire un effort. De? Bah, d'accepter Chicken en plastique. Mais comment ça, tu promets de faire un effort? C'est ton bébé! C'est un bébé en plastique! Bon, les amis, je vous fais des bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut, un pouce bleu, surtout d'aller vous abonner et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Eh, pep, n'oubliez pas, les gars, hein. On a dépassé les 200 000 abonnés, là. On a dépassé les 200 000 abonnés, frérot. Merci à tous. Merci à tous. Franchement, vous êtes la famille. Chicken, dis merci. Chicken, dis merci. Chicken. Merci, les gars. Restez connectés. Pensez à vous abonner. 1 million de vues, on sort des vrais formats avec Chicken. Il fait peur, ce bébé. Comment ça, il fait peur? Je te jure, il ressemble à Chucky. Mais t'as rien compris. Je te jure, c'est ça, ma vie. Je te jure que le soir, la nuit, ça fait Chucky. Demande-la. Ça passe ou pas? Elle est belle ou pas? Elle est belle. Sérieux? Elle est horrible.